Bon bah salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de mes avancées. Voilà, je vous fais voir vite fait quelque chose. Mon installation de mon train, bon là il n'y est pas, parce que j'ai pas encore fini totalement les finitions. Du coup voilà, il y aura pas mal de petites choses au milieu. Les rails sont bien fixés. Ça bouge pas, je les ai vissés carrément à la planche en bois. Du coup, voilà, ça rend un bon petit truc sympa. Je pense, enfin, dites-moi en commentaire. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Il y aura de la, il y aura, je vais essayer de faire une fosserie. Enfin, j'ai de la bâche bleue. J'en mettrai pour faire genre un petit lac ou une rivière. On verra. Peut-être une rivière au milieu ou un beau lac, un grand lac. Il y aura des petits personnages, des petites choses que je verrai si je peux acheter ou pas. Parce que ça reste assez cher, les petits personnages, je vais pas vous cacher. Une guirlande. Je pense mettre du peut-être bleu et blanc. Ou je verrai. Blanc tout court ou bleu tout court. On verra bien. Je verrai, mais pour le moment, voilà, faut que je finisse. Enfin, je fignole parce que là, c'est presque fini. Le train, il tourne. Bon, là, il n'y est pas, mais il tourne. Voilà, du coup, c'est pas trop mal. De base, je voulais le mettre ici, où c'est qu'il y a les planches. Mais bon, je préférais le mettre là, ça fait un bon petit truc sympa. Du coup, mon igloo, peut-être dans la semaine, il y aura mon igloo, je vais installer par ici, là. Il y aura l'igloo, il y aura la pose la pose de ma guirlande, il y aura mes stalactites là-haut, dans la semaine, j'annonce. Ma fosse truc de ski, là. Parce que j'ai encore un personnage pour faire mon petit truc de ski là. Je vais vous faire voir. Mon sapin qui sera là, que j'ai toujours pas fait, on me le demande. Ne vous inquiétez pas, faut que je rachète des guirlandes. Du coup, voilà, j'en profiterai pour en racheter pour ce sapin là. Voilà, faut que je mette encore ma petite piste de ski là. Ma fausse neige tout autour. Ma caravane, je sais pas si elle sera faite cette semaine, je vais pas vous cacher. Mais on va tenter, si j'ai un petit peu de temps, on va le faire. Déjà, quand j'aurai déjà fait ce que j'ai à faire là, mon panneau en bois, faut que je le cache. Faut que je voie comment je peux faire. Peut-être je le mets à peut-être du bleu ou une fausse neige, une bâche d'hivernage plutôt. Mes stalactites devant, ça sera fait cette semaine aussi. Je sais pas, là, changement, ou je sais pas, on va aller voir ça. Le changement de la fausse neige. Ça sera changé cette semaine aussi. Du coup, voilà. Voilà. Devant, bon, je vais continuer un petit peu devant aussi, bien évidemment. Cette semaine et même la semaine prochaine. Faudra jouer ce que je peux faire. Mais tac, tac, tac. Je regarde en même temps qu'est-ce que je devrais faire. Mais c'est pas mal. Après, je verrai ce que j'ai encore à installer. Je pense que déjà, quand j'aurai fait ce que je vous ai dit, on devrait être pas trop mal. On devrait être pas trop mal, franchement pas mal. Après dans la grange, je vais vous faire voir vite fait quand même ce que j'ai. Enfin ce qui me reste du coup. Il me reste quand même pas mal de choses, hein, je vais pas vous cacher. Le petit sapin, je pense qu'il va sauter de là. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté, sur le grillage. Faut que je réfléchisse encore. Bon, désolé pour l'écran noir. Ah oui, au bout de mon doigt là, où c'est que ça avec l'inode blanc. Mon portail, je vais le faire totalement en rouge avec des flashs comme il y a sur le grillage. Alors attendez, oula, attendez, je vois rien, c'est un petit peu dangereux l'histoire, bougez pas, tac tac tac, ça c'est comme ça, et ça c'est là-dedans, voilà, je ferai mon grillage du coup. Alors, mon train, il est là, bougez pas le focus, hop, merci, il me reste le nounours que j'ai réparé, le transfo il a grillé, il me reste une échelle plus une étoile, l'ours que j'avais réparé là aussi. Il me reste deux guirlandes en dessous. Le manège. Je pense que le manège, je vais le mettre au milieu du train. Il y aura le train et le manège qui va tourner. Ça va être pas mal. Du coup, il y a tout ce qui est là-dedans. Mes derniers achats. Des projecteurs, des guirlandes là-dedans. Là-dedans, il y a mon skieur en rouge. 30 stalactites, des guirlandes.
Là, il y a mon étoile que j'ai réparée. Le transfo, il avait grillé. J'ai réparé aussi celle-là. Le transfo, il a grillé. J'ai vu la vidéo de Théo Vaudire aussi. Il a un transfo qui a grillé aussi. Du coup, ça me rassure. Il n'y a pas que moi. Du coup, j'ai ce cadeau à installer. Qui est nickel. Hein, il fonctionne impeccable. Mes deux stalactites, comme je vous ai dit, qui iront dans l'arbre. Tac, tac, tac. J'ai mon sapin blanc, mon sapin vert. Guirlande là-dedans. En veux-tu, en voilà, j'en ai encore un paquet. J'ai ma rivière bleue. Une cabane qui s'allume en blanche tout le tour. Que faut que je refasse le tout. Et voilà ce qui me reste en prise pour tout ça. Une de 5 mètres. Une triplette de 3. Une triplette de 4. Et voilà. Voilà ce qui me reste pour tout ça. Pour tout ce que je vous ai fait voir. Alors du coup, il va falloir que je rachète là les prises. Oh là là, mon Dieu, Seigneur. Dès que je peux, j'achète mes feux d'artifice aussi. Il y a mon panneau aussi, il faut que je le finisse. Avec, faut que j'achète de la peinture blanche et rouge, du coup. Comme j'en ai plus. Ah si, il me reste la guirlande qui est là. 80 mètres pour mon sapin. Du coup, on n'est pas trop mal. Voilà, c'est ça la peinture qu'il faut que j'achète. Tac. Que j'ai acheté à Leclerc, mais bon. Les magasins. Ah si, bah si, Leclerc c'est ouvert du coup. Ah bah oui, du coup je vais pouvoir acheter ça à Leclerc. J'avais pas pensé. Moi normalement la blanche elle vient de chez Action, mais bon Action, ils ont plus rien. En peinture, en pot de peinture, enfin dans le mien il n'y a plus rien. Du coup voilà, je vous ai fait voir tout ce qui me reste. Il me reste un paquet, hein. Un peu là-dedans, 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 là. Hop. Tout ce qu'il y a là-dedans. Là il y en a un paquet encore. Là. Le focus, s'il te plaît, encore. Là. Non, pas là. Et ma cabane. Les stalactites, blanc et bleu. Mon sapin, le panneau. Et on est pas mal. On est pas mal. Seigneur. Hop là, on éteint ça. On va retourner un petit peu dehors pour finir la vidéo. Regardez d'ici comment ça pète. C'est beau. Je vais vous refaire voir au niveau de la. On va refaire un petit tour du terrain. On va refaire un petit tour pour les nouveaux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça fait vraiment plaisir. On gagne beaucoup d'abonnés. On est 1515 abonnés. Voilà. J'aime bien le dire. Comme ça, vous voyez un petit peu l'évolution de la chaîne. C'est beau. C'est beau. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Ça monte trop trop vite. Là, j'ai une vidéo de Bécane hein, qui est en train de prendre des vues, mais des vues, un truc de malade. C'est où que c'est que je croise la gendarmerie en Kangoo. C'est un truc de fou. Comment elle fait des vues de fou malade. Bah, c'est la plus grosse vidéo qui est sur ma chaîne maintenant. Elle a dépassé toutes les autres. Elle est montée comme une balle. Là, depuis un mois, j'ai gagné plus de presque 2000 vues. Du mois dernier. Ce qui est énorme. Hein, parce qu'elle n'en prenait plus. Enfin, quelques vues par-ci par-là. Mais là, je sais pas pourquoi. Mais elle a monté d'un coup. Du coup, on va pas se plaindre. Il manquerait plus que ça. Le focus. Ouais, bon, la tête de renne. Hein. Ah ouais, ça c'est bijou. Chez Nose, punaise, c'est dommage qu'ils aient fermé. Parce qu'elle vient de chez Nose, celle-là. Même action, les petits sapins comme ça, j'en aurais voulu toute la longueur, mais c'est fermé. Du coup, on peut rien avoir. C'est dommage. Peut-être sur Internet, mais j'ai pas envie de commander trop sur Internet. Je vais peut-être pas même pas tout recevoir. T'as le focus. Attendez, j'essuie peut-être les caméras. Ouais, ok, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, je vous refais voir un petit peu. Ouais, j'ai encore pas mal de guirlandes à acheter pour finir vraiment pour cette année. Je vais vous faire voir la belle petite rivière. La magnifique même, je dirais. Elle fonctionne impeccable. Il n'y a même pas. C'est top. Oh, c'est magnifique. Là, dans la cabane, là, il y aura mon Père Noël gonflable. Puis voilà, j'en ai fait commander un à ma grand-mère aussi.
C'est un énorme. C'est quoi? C'est. Non, c'est quoi j'ai fait commander? Ah, je sais plus. Je crois que c'est une grande guirlande. Enfin, sur Joom. C'est pas forcément chinois. Je crois que c'est en France, Joom. JOOM, un truc comme ça. Du coup, je vais voir la qualité dès que je la recevrai. Dès que je la recevrai, je vous ferai voir. Et si ça fonctionne, pourquoi pas vous dire que vous pouvez acheter si vous connaissez pas. Si c'est nul, je vous le dirai aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a encore pas mal de petites choses à faire, comme vous voyez. Du coup, je vais peut-être vous refaire voir devant. Je ne vous l'ai pas fait voir dans cette vidéo. Du coup, on va faire un petit tour devant. Comme c'est de la nouvelle création de hier ou avant-hier, je sais plus trop. Les jours passent trop vite. Les stalactites, hein, tout sera refait à neuf, je le répète. La boîte aux lettres avec les deux machins à côté, ça flash. Seigneur. Oh, c'est beau. J'ai décalé mes chutes de neige. Regardez. Voilà. Bougez pas. Je vous fais voir le fond. C'est la guirlande rouge qui est ici. J'en rachèterai pour là, ici. Ça, le portail, il sera rouge avec des flashs blancs. Ça va super bien rendre. Mon rideau. Je sais pas, c'est un rideau qui doit faire au moins presque. Ah, oh, peut-être 5, 4-5 mètres, un truc comme ça. Ah, il est vraiment grand. Les petits arbres. Voilà, ça va vraiment jusqu'au bout. Oh, le focus, regardez ça. Et voilà. Ouais, du coup, je disais, la guirlande rouge. J'en commanderai plusieurs parce que l'année dernière, j'ai vraiment mis beaucoup de guirlandes pour faire ça. Du coup, je crois qu'il me faut 4 fois 18 mètres pour faire les deux. Ça veut dire qu'il va m'en falloir 8, 16. 4 paquets de 8 mètres. Ça devrait suffire. Et encore, peut-être même plus que ça. Je sais même plus. Mais ce que je sais, c'est que j'en ai mis un paquet. Et quand je vois le prix de une guirlande, c'est 15 euros chez Jardiland. Bah après, ça vaut le coup. Hein. Ils sont vraiment belles. Bon, on voit les flocons là. Ouais, j'ai vraiment essayé de mettre tout le mur. Du coup, j'en rachèterai des blancs et des bleus chez Maxilo. Je crois que c'est comme ça. Qui iront ici. Comme ça, toute la façade, elle sera blanche et bleue. De chute de neige. Et puis, du coup, je mettrai des guirlandes. Là, j'en ai une pour les fenêtres. Voilà. Il y en a qui me demandent aussi beaucoup dans les vidéos où c'est que j'habite pour voir les décos. J'habite au 1 chemin du Moulin, 41 330, La Chapelle Vendômoise. Voilà, du coup, c'est au cas où il y en a. On va se faire une petite vue de loin. On va se faire une petite vue de loin et on va se quitter là, les amis. Bougez pas, on y est presque. Les lampadaires qui saoulent. Voilà. Là, vous avez vraiment un ensemble. Il y en a qui commencent à me dire c'est chargé devant. Alors, c'est que vous n'avez pas vu l'année dernière comment c'était, les gars. Ah, vous n'avez pas vu. Hein. Tout ce qu'il y a dedans, bon, j'en ai racheté. Tout ce qu'il y a dedans, c'est ce qui était devant. Alors, ceux qui me disent que c'est trop chargé, les gars, c'est que vous n'étiez pas là l'année dernière. C'est tout simple. Mais bon, je vous en veux pas. Ce que je sais, c'est que je vais continuer à en remettre devant. Que ça plaise ou pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, je vais vraiment pas m'arrêter là. Du coup, voilà, c'est prévenu dans la vidéo. Ça sera, voilà. En plus, c'est pas chargé du tout. C'est pas chargé du tout quand tu vois l'année dernière, pour ceux qui étaient là. Mais c'était un truc de fou ici. C'est, bah, tout ce qui est dedans, c'est ce qui était là. Il y a même pas. J'avais même pas mis une guirlande de l'autre côté, quoi. Du coup, on re-rentre et puis on va se quitter. Au niveau du. La plus belle chose qui est la rivière et le traîneau, qui est vraiment une réussite de fou. Voilà. Sur ce, je vous laisse, les amis. Abonnez-vous, commentez, likez.
Faites-moi. Et non, mais je sais pas. Mais je pense, vu comment ça monte, je pense qu'on aura les 1600 abonnés du coup pour Noël. Je pense. Ce qu'on fait en moyenne le mois dernier, pour le mois de octobre, on a fait plus de 200 abonnés en un mois. Du coup, à la vitesse que ça monte, ça se peut qu'on soit aux 1700, 1600 ou 1700 abonnés pour, on va dire, le 1er janvier 2021. Il y a grande chance. Après, moi, je vous fais confiance. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Hein. Ça fait vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Hein. Ça, je le vois. Il y a les stats YouTube. Sur YouTube Studio, tu vois toutes les stats. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Quand vous mettez votre téléphone droit, il y a écrit en rouge s'abonner avec la petite cloche si vous attendez quelques secondes. Pour les ordinateurs, je ne sais pas comment ça se passe. Et pour les tablettes, c'est à peu près pareil que le téléphone. Voilà, les petits boutons s'abonner, la petite cloche qui fait plaisir. Pour recevoir une notification. Je devais pas faire de vidéo aujourd'hui. Mais du coup, j'ai créé ça. C'est pas fini, au moins je vous fais voir les avancées. Ça m'a pris au moins 3 heures à faire ça. Hein. Le temps de mettre les parpaings, la planche, tous les rails, les fixer. En façon que le train il tombe pas à chaque extrémité. Enfin, non, là, quand tu le mets dessus, normalement, c'est top. Mais je l'ai pas mis parce que bon, je vais éteindre et que c'est pas fini encore. La surprise. Sur ce, je vous laisse à cette blabla. Je parle trop, je pense. Mais voilà, je vous laisse les amis. Et puis on se dit à demain. Demain, il y aura sûrement des nouvelles choses que j'installerai du coup. Et voilà, je vous dis à demain, normalement, si tout se passe bien, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis, abonnez-vous.